choisir, c'est épuisant. Les journées apportent une infinie succession de croisements. On se lève ou pas, on se lave ou pas, on met un pied devant l'autre, on respire ou pas. La loupe braquée sur le quotidien, on le comprend très vite, on est terriblement affairé. Et là, devant cet étalage de boîtes, l'hésitation devient chronique, l'incertitude sidérale. Petite bouchée d'agneau aux légumes ou moelleux de bœuf carotte. Le poisson est éliminé d'office, ainsi que la volaille. Il reste pourtant un cruel dilemme. Au leader, il ne rencontre pas ce genre de problème. C'est la version stalinienne du supermarché. Un seul choix, une seule possibilité. On ne partage que les bancs, les fauteuils sont proscrits. Tandis qu'au Leclerc, c'est opulence et diversité. Tout le monde peut entrer, il suffit de payer. D'ordinaire, c'est boulette de viande, un point, c'est tout. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un jour spécial. L'entrée dans le troisième millénaire, ça se fête. Chacun y a droit. Et ici, c'est l'effervescence. Ça clinque, ça embaume, c'est déjà la bamboula. On s'enivre à se dévisser la tête tellement il y a de choses, tellement il y a de choix. Enfin, lui, il est juste venu acheter une boîte et une demi-baguette. Mais même pour ce petit achat, c'est compliqué. Comme c'est une journée particulière, il doit marquer le coup. Il a coupé les poils qui sortent de son nez, lavé ses oreilles à grande eau et parfumé son cou à l'eau de Cologne. Il a soigné sa coiffure, une belle raie au-dessus de l'oreille gauche et tous les cheveux rabattus sur la droite pour atténuer un peu sa calvitie. Heureusement qu'il n'y a pas de vent, sinon même en les plaquant avec un peu de graisse, il en aurait partout. Il est fier de ses chaussures, astiquées à l'huile de coude. Rien à cirer de leurs pommades de luxe qui ne font rien briller. Il a peut-être 76 ans, bien qu'il en doute quelquefois, n'empêche. C'est lui qui a les croquenots les mieux tenus, où qu'il aille, même ici. C'est triste à dire. Les gens sont tout frétillants, bien pomponnés, mais il suffit de baisser les yeux. Et la misère est là. Des godasses éculées, crottées. T'es comme une femme bien maquillée sous une chevelure sale. Ça choque. Enfin, c'est ainsi, maintenant. Tout pour l'apparence, pour ne rien avouer du laisser aller. Toute l'énergie pour ce qui se voit. Parce que pour le reste, n'est-ce pas, au fond d'eux, ils ont honte. Avec l'avènement du nouveau millénaire, l'espoir revient. On va pouvoir démaquiller le monde et découvrir son vrai visage. Que de la beauté. Il en est intimement persuadé. Certains matins, en se levant, il la respire. Il y a cette grande fatigue du cœur, bien sûr. Il la sent, il la subit, comme tout le monde. Mais par en dessous, quelque chose vibre, qui ne demande qu'à sortir. Une foule de petits détails lui indique que l'heure est proche. C'est pour ce soir. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Ceci dit, bœuf ou agneau. Il secoue la tête et grommelle quelques mots. Quelle impuissance! Il ne va pas rester planté là jusqu'à la Saint-Guingamp tout de même! Je peux vous aider? Une jeune femme se penche vers lui. Son caddie plein bien au-delà de la limite autorisée. Il pense jeune, mais elle avoisine la quarantaine. De son point de vue, c'est encore une petite jeunesse. Il baisse les yeux. Elle porte de solides mocassins à talons carrés, tout neuf. Elle doit avoir sacrément mal aux pieds dans ce cuir raide comme la justice. Mais elle a belle allure, de celle qui inspire confiance. Une odeur maternelle flotte autour d'elle, un mélange de soupe de légumes et de savon à la violette. J'arrive pas à me décider entre ces deux boîtes.
C'est pourtant pas du tout la même saveur ni la même texture. Comment être certain de son choix? Votre chien, qu'est-ce qu'il préfère? Les boulettes, les croquettes, la pâtée? Tenez-vous-en à ce qu'il aime. Les boulettes avec beaucoup de gelée autour, c'est un peu la sauce pour nous. Et puis ensuite, c'est un vieux chien, il a mal aux dents, les croquettes sont exclues. La pâtée, c'est un fait. Il est catégorique là-dessus, pas moyen de l'en faire avaler. On se demande ce qu'ils mettent là-dedans pour que ça pue à ce point. Contrairement à ce qu'on pense, les aliments pour animaux sont très surveillés. Ah, mieux que pour les hommes. Hein. Ils ont la SPA pour les défendre, alors que nous, on n'a personne. Mais le saviez-vous, c'est dans leur nourriture que les abats de bœuf ont été supprimés en premier. Vous vous rendez compte, les corons, nous, on peut manger en toute sécurité, ils n'attraperont pas la noix de Sanky. Comment s'appelle votre chien? Il penche la tête, se gratte un peu la joue, la peau crisse, les lames du rasoir sont émoussées. Edmond, il s'appelle Edmond. Vous devez bien l'aimer, je le vois à votre sourire. Oui, c'est vrai, des années qu'on est ensemble. Alors je me suis dit, voyez-vous, ce soir, c'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Hein, ça mérite un effort, Edmond, il a droit à un dîner de prince comme tout le monde. À votre place, je prendrai l'agneau, c'est plus goûteux. Et puis tous ces petits légumes, ça ne peut qu'être bon pour lui. Votre femme a dû vous le dire. Ah, je ne suis pas mariée, pas encore. Elle sourit de son clin d'œil, tête renversée, une lumière parfaite sur l'ovale du visage. Il est émerveillé. Il y a longtemps qu'il n'avait pas révélé une femme à sa beauté. C'est un don auquel les hommes ne sont pas suffisamment attentifs quand ils l'ont, et qu'ils feignent d'ignorer quand ils ne l'ont pas. C'est une seconde de séduction inattendue, de légèreté soudaine. Il saisit sa main entre les siennes et se penche, ses lèvres effleurant à peine la peau tiède. Je vous souhaite une très belle et très longue vie. Elle sourit, gênée, émue, gênée de ce geste suranné, retire sa main avec brusquerie et la porte à son cœur d'un mouvement instinctif. À vous aussi. Elle perçoit l'absurdité de la réponse, sans toutefois le regretter. Cependant, le moment de grâce est déjà passé. Il faut que je vous quitte, j'ai tant de choses à préparer. Passez une bonne soirée. Mais vous aussi, et je vous remercie de vos conseils. Il avait souvent remarqué, on échange des banalités au moment des séparations, surtout quand elles sont définitives, comme si la réalité du départ effaçait la parole. Elle sourit une dernière fois et s'éloigne, poussant son caddie surchargé. La gorge serrée, les côtes douloureuses, elle s'interroge. L'idée qu'il puisse passer le réveillon seul avec son chien lui semble intolérable tout à coup. Pourtant, elle n'a jamais ce genre de préoccupation, jamais. Or, bien sûr, lors de dîners entre amis, elle parle de la solitude, des gens dans la rue, de la faim dans le monde, mais ça ne va pas plus loin. On n'y tiendrait pas sans cela. La meilleure preuve, des mères Teresa, des abbés Pierre, s'ils sont si rares, c'est bien qu'il y ait une raison. Elle ressent bien de l'inaccompli en elle. Lors de ces occasions, quand ils sont tous passés à autre chose, une voix résonne en elle. En ce moment, quelqu'un meurt, quelqu'un pleure. Un enfant battu, une femme violée, un homme torturé. En ce moment, elle est happée dans un tourbillon de hurlements et de chair ensanglantée. Alors elle secoue la tête, se force à sourire et reprend le fil où il avait été rompu. La proximité du démon n'est pas plus supportable que celle de Dieu. Elle s'arrêtait. Elle n'était pas confrontée, elle n'était pas préparée à la confrontation avec le réel. Dans un film, elle aurait souri avec charme de l'hommage rendu. Et puis très naturellement, elle aurait proposé « Et si vous veniez dîner à la maison ce soir, tout le monde serait ravi ?» Ce à quoi il aurait répondu que « Il n'avait rien de spécial, ma foi, oui, pourquoi pas, et venez avec Edmond !» Dans la vie, où rien n'est filtré, ni les lumières, ni les sons, tout est trop vif et trop bruyant, elle reste figée devant des paquets en promotion,
sans pouvoir se décider. La bouche sèche, le cœur fébrile. Ce qui ne se fait pas attire jusqu'au vertige. Elle l'imagine, debout derrière elle, une boîte entre les mains, la regardant partir. Ce rayon est une scène. Elle est entrée, elle a joué son rôle, on n'a plus besoin d'elle. Pourtant, il y a une résistance, une écorchure dans le scénario. Elle accède, elle se retourne, et advienne que pourra. Il la regarde qui vaque. Elle n'est pas pressée. Ce n'est pas si souvent qu'il a l'occasion d'éprouver la séparation. Il l'a effarouchée avec son baiser d'un autre ange, vieux galant. Mais il a choisi et il était accompagné. C'est précieux ça. Il le savait, l'année qui s'annonce est prometteuse. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors il sourit. Oh, c'est plus important pour lui que ça ne l'aura été pour elle. Mais c'est souvent comme ça dans la vie. On ne parle pas vraiment le même langage. Il s'éloigne à son tour et disparaît à l'angle du rayon, juste au moment où elle se retourne et le cherche des yeux. Dios, c'est la bousculade. Il n'est pas simple d'aller d'un pas tranquille, on se laisserait embarquer par la précipitation. On le bouscule, il gêne le passage. Mais le plus cruel pour lui, c'est le masque des visages. Ils ne se haïssent pas. C'est pire, il se méprise. L'autre, là, avec son odeur, ses manies, ce sans-gêne qui parle trop fort ou qui scure le nez, cette face bouffie, inélégante, moche, quoi. Et puis, foutu comme des as de pique et mal fringué en plus, avec des têtes d'imbéciles malheureux. Voilà ce qu'il voit dans les regards qui se croisent. Le plus navrant, c'est la méconnaissance de cette réalité incontournable. On est tous les jours l'autre de quelqu'un. Il s'en tient parfois à cette grâce d'une délicatesse inhabituelle, le pont d'un sourire, et ferme son esprit aux considérations sur cette société qui va on ne sait où. Pour un peu, il s'échaufferait, gesticulant sur le chemin, la baguette menaçante. Mais il sait comment se calmer. Ne fais pas ton autre, va. L'appartement est tranquille. Comme il l'a laissé. Une tristesse y est glissée sournoisement à travers la lumière sale qui lèche les carreaux. Il la repousse avec détermination. La fatigue s'est logée au creux des reins. Il s'accorde une petite sieste avant la soirée à venir. Un vacarme sourd le réveille. Au bout de quelques secondes, le temps de rappeler la conscience, il identifie la musique. Chez les voisins, la fête a déjà commencé. La nuit sera longue. Il allume une lampe et ferme les volets. Une manie de campagnard, lui qui a toujours vécu en ville. N'empêche qu'il fait moins froid après. La pièce semble presque douillette. Et puis c'est chez lui. Et ça, personne ne peut l'enlever. C'est bon de rentrer chez soi. Il ne voudrait pas connaître ce dénuement de n'avoir aucun endroit bien à soi où revenir. Il aime ce rituel de la nuit. Accrocher ses volets lui donne un sentiment de sécurité, même s'il est illusoire. Il paraît que quand ils veulent entrer quelque part, rien ne les arrête. Ils défoncent même les murs si les portes sont trop solides. De toute façon, chez lui, il n'y a rien à voler. Il n'est pas à l'abri pour autant.
Pour certains, il semblerait que même rien, ce soit encore trop. Le napperon est jauni par le temps, mais se montre plus distingué qu'un simple torchon. L'élégance en toutes circonstances est un art peu pratiqué. La solitude est souvent le prétexte pour s'abandonner. Allons donc, comme si on n'était pas le témoin de ses propres défaites. Comme s'il n'y avait personne pour vous regarder. Personne, pas même soi. Il a toujours pratiqué le respect de lui-même. C'est en sorte sa meilleure élégance. Car le seul véritable dénuement, la seule trahison inacceptable, c'est d'avoir déserté la place, de ne pas être là pour soi. Dans la salle de bain, il va décrocher le miroir qui est au-dessus du lavabo et vient le poser sur la table. La bougie qu'il allume trouve ainsi sa sœur jumelle. En voilà une belle lumière. Chez les voisins, ça se précise. Il y a de l'excitation dans l'air. Les voix dérapent dans les aigus. Cette frénésie commence à le gagner. Il ne faudrait pas qu'il loupe l'heure. Il va chercher le plat dans la cuisine. S'installe cérémonieusement. Une serviette sur les genoux. Il se sert, mais sans excès. Il faut en garder pour demain. Le pain croustille. Il en profite. Dans quelques heures, il sera sec comme une vieille biscotte. Il trempe un morceau, le porte à sa bouche. Exquis. Il lève son verre et sourit à son reflet. La gelée, c'est quand même ce qu'il préfère.